J'ai voulu vous revoir parce que je me suis aperçu qu'on avait complètement oublié d'aborder le côté vie privée, les rapports avec les femmes, tout ça. Ah bon, mais je croyais que c'était juste un truc sur ma carrière, moi. Oui, bien sûr, mais je trouve que c'est dommage. La plupart des gens qui vont acheter de livres, ça les intéresse de connaître l'homme derrière le joueur, non? Ouais, c'est pas faux. Vous savez, moi, en ce qui concerne les femmes, je suis plutôt du genre pudique. Non, mais vous dites juste ce que vous voulez, hein, c'est tout. Ok. Je vais commencer par le commencement. La première fille que je me suis tapée, c'était en colo. On avait commencé une partie de cache-cache. Alors moi, le principe, c'était, en fait, je me planquais. Et puis, j'attendais de voir les meufs qui étaient intéressées par moi. C'est celles qui me cherchaient. Quand elles me trouvaient, ben voilà. En vérité, quand j'étais avec Katia, je sortais avec... je couchais... J'arrive au vestiaire, j'ouvre la porte. Paf ! Trois super gonzesses. Des bombes, hein. Attention, étaient rousses. Voilà, c'est ça, elle avait une odeur. J'aime pas les rousses. Kevin, Kevin, Kevin ! Ça va, je suis pas en sucre, hein. J'ai pas eu le choix, j'ai un peu pris violemment, c'est vrai. Et c'est la seule fois, je crois, où j'en ai fait trois en même temps, parce que... c'est la seule fois. Putain, on n'était pas assis depuis deux minutes dans la Porsche, elle commence à me baisser la braguette, hein, tout ça. Commence à travailler, hein. Alors au début, j'ai pris le plaisir, évidemment, mais j'ai pensé à l'histoire Sacha Distel, ça j'ai flippé, je me suis mis sur une aire de parking. Alors, je sais pas, vous êtes déjà allé à Bangkok? Non. Mais là-bas, toutes les filles, elles portent des numéros. Je me dis, je vais prendre le 16, vu que je joue avec le 16, je me dis c'est... Et là, l'idée, qu'est-ce que je me dis? Je vais prendre le 1 et le 6, ça fait 16, mais j'en ai deux. Incroyable. Ça, c'est Bangkok. Voilà. Grosso modo, ça se résume à ça. Sinon, en ce moment, dans votre vie, il y a quelqu'un? Ah ouais. Mais là, je préfère pas trop en parler. Pourquoi, c'est pas assez sérieux? Ah, si, si, au contraire. Elle a même voulu qu'on fasse des photos ensemble pour la couve d'un magazine. Ah. Non, puis depuis, elle a un peu les boules, alors j'ai promis que je parlais plus d'elle à personne. D'accord, non, je comprends. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis super amoureux. C'est une fille classe, un télo et tout. Mais pas coincée du cul, hein. Ouf, au plus marre, elle se donne. La vache. Je crois que c'est mon côté animal qui l'a fait triper. Tu sais ce qu'il a fait délirer le plus? Non. Les fesses. Adore mes fesses. Faut dire 15 ans de football, hein, c'est du ferme, hein, c'est sûr que...